believe God. Croyez en Dieu. Is it believe God or believe the prophet? Hein? Yeah, believe God and trust in His prophet, and you shall prosper. That's it. Vous prospérez, c'est ça. You believe God. Tu crois en Dieu. You believe God. Tu crois en Dieu. You trust in His prophet. Tu as confiance en ses prophètes. Now you prosper. Et à ce moment-là, so believing God doesn't make you to prosper. Alors, crois seulement en Dieu ne te fait pas prospérer. But trusting what the prophet says. Mais confiance également à ce que le prophète dit. Accept what the prophet says. Believe what the prophet says. Ce que le prophète dit. Help you to prosper. Aide à prospérer. That's why on Sunday. Dimanche. No, on Friday rather. That's Friday. Vendredi dernier. There are some people that receive prophetic words. Il y a des personnes qui ont reçu des paroles prophétiques. I was asking some. Did you pay that? Et je demandais à certains, est-ce que tu as payé ta dîme? Did you pay? Est-ce que tu as l'habitude de payer ta dîme? So there's somebody saying no. Certains disaient non. I was just announcing to them. Et je leur annonçais. That no matter the breakthrough. Peu importe la percée. If you are not faithful to God, si tu n'es pas fidèle envers Dieu, it will not come to pass. Ça ne s'accomplira pas. It was an announcement. C'était une annonce. Amen. Amen. Listen. Écoute. I'm not saying pay your tithe this month and you pay after 3 months. Je ne dis pas paye ta dîme ce mois et tu payes après 3 mois. Pay every month. Paye ta dîme chaque mois, c'est un commandement. If I can enjoy God's grace, si je peux jouir des bénédictions, la grâce de Dieu, because I am a good tithe. C'est parce que je suis un bon payeur de dîme. I don't tithe like you. Je ne paye pas ma dîme comme toi. No. Non. I fix an amount. Je fixe un montant. That I can have as a salary. Que je ne peux pas avoir même comme salaire. And I give it to God. Et je donne cela. That's my tithe. Comme dit. Amen. Amen. It's not that I have 50,000 to pay. I remove 5,000. J'ai 50 000 aujourd'hui, j'enlève 5 000. Okay, if this month I have just 30,000. Moi, j'ai seulement 20 000. I will pay 2,000. Je vais payer 2 000. I don't do like that. Je fais pas comme ça. I have an amount. J'ai un montant. That I give. Que je donne. Every year. Chaque année. I add money on it. J'augmente une somme. I add money on it. J'augmente une somme. I add money on it. J'augmente une somme. You provoke blessings. Tu provoques les bénédictions. Blessings are somewhere. Les bénédictions sont quelque part. You can provoke it. Tu peux les provoquer. Let us see. Voyons. Altars against altars. Hôtel contre les hôtels. Let us see verse 15. Maintenant, regardons le verset 15 au verset 7. He says, and he said to Balak, Stand here by your burnt offering, while I meet the Lord over there. Verse 15. Verset 15. Balak dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. This is the second time. Voici la deuxième fois. That Balak is still offering and is still giving a sacrifice. Is still raising up another altar. Balak fait toujours un autre hôtel. So, after the first. After the first time Balaam met the Lord, après la première fois que Balaam a rencontré le Seigneur, Balaam was not satisfied. Il n'était pas satisfait. So, he wanted to meet the Lord again. Il avait besoin de rencontrer le Seigneur. He wanted to inquire from the Lord again. Il devait demander au Seigneur quelque chose une fois de plus. The only way to inquire from the Lord. De demander au Seigneur was to raise an altar c'était de and give a sacrifice. Et de donner un sacrifice. He did that for the second time. Il a fait pour la deuxième and fois. After when that was done, et après que cela a été fait, Balaam told him, Balaam lui a dit, stand by your own offering. Tiens-toi à côté de ton holocauste. This means, ça veut dire, stand tiens-toi by the door. À côté de la porte. That is open in the spiritual life. Est ouverte dans le reste spirituel. Now that I'm separate from you. Maintenant que je me sépare de toi. So that I can hear God. Pour que je puisse écouter Dieu. So he left. Alors il est parti. He went. Il est parti. And God started to. Et Dieu a commencé à parler. Voyons. Verse 16. Le verset 16. He says. Il dit. Then the Lord met Balaam and put a word in his mouth and said. L'Éternel vint au devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit. And said, et dit. He put a word. Il a mis une parole dans sa bouche. And said, et dit. Listen. Écoute. My sister patient. Ma soeur patiente. The best thing a prophet can do to you. La meilleure chose que le prophète puisse faire pour toi. Is to say I bless you. C'est de te dire je te bénis. To say it is well. Que le dit tout va bien. Aïe. Tout va bien. Listen, I'm écoute, telling you the truth. Je te dis la vérité. In my small level. À mon petit niveau. As a. En tant que. As somebody that hears God. En tant que quelqu'un qui écoute Dieu. I've met prophets too. J'ai rencontré des prophètes. I'm talking of like the conference je that I met. Je parle des grands prophètes comme la conférence que j'ai où je suis parti. I meet the father of prophets. J'ai rencontré le père des prophètes. I also desire him to speak
Je désirais également que tu me parles face à face. But he didn't speak to me. Mais il ne m'a pas parlé. Face to face. Face à face. But I heard him speaking to me. Mais je l'ai entendu me parler. In his message. Dans son message. Because as a prophet. Parce qu'en tant que prophète. A child of God. Un enfant de Dieu. You should hear God when tu God is speaking to you. Tu lorsque if Dieu te parle. Même si le prophète ne te dit pas this is wrong in your life. This is right in your life. Il ne va pas pour ta vie parce que c'est qui va dans ta vie. But you are receiving teachers. Lorsque tu reçois les enseignements. You need to hear God. Écouter Dieu. His word. Par sa parole. I hear God all the time. J'entends, j'écoute Dieu tout le temps. Worship time, I hear God. Pendant l'adoration, j'écoute God. Pendant la louange, j'écoute Dieu. When I'm taking my bath, I hear God. J'écoute I hear God all j'écoute the time. Dieu à tout moment. Amen. Amen. Now. Maintenant. When, what did God do? Qu'est-ce que Dieu a fait? Verse 6. Voyons le verset 16. Then the Lord met Balaam and put a word in his mouth and said, go back to Balaam and doubt that you shall speak. So he went to him, and there he was, standing by his burnt offering, and the prince of Moab were with him. And Balak said to him, what has the Lord spoken? Then he took up his oracles and said, rise up, Balak, and hear, listen to me, son of Zippor. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? Le verset 17 au verset 19. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak dit, Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balak prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tifor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? You know your problem. Tu connais ton problème? You know your problem. Est-ce que tu connais ton problème? Your problem is that if they can run from this church. Ton problème c'est quand tu penses que tu peux plus cette église. You go to another church. Tu vas dans une église. You don't do the will of God. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. And the miracle will happen to you. Et le miracle se produira dans ta vie. C'est un mensonge. Running from another church. Tu fais une église. Coming to this church. Venir à cette église. Because there are all kinds of miracles. Il y a toujours de miracles. And you don't do the will of God. Et tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. You are a liar. Tu es un menteur. God does not change. Ne change pas. It truly is God that you want. C'est Dieu que tu veux. You want to see his hand upon your life. Voir sa main sur ta vie. You should be a practical. Tu dois être un pratiquant de la parole. Forget. Oublie. This thing that you just live as you want. Tu veux pas. Tu penses que tu vas vivre comme tu veux. And a miracle will happen in your life. Et le miracle se posera dans ta vie. Coming from God. Venant de Dieu. No. Non. God is not a man to lie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? When Balak got the first prophecy, quand Balak a reçu la première prophétie, he was not satisfied. Il n'était pas satisfait. He said, no, it can't be like this. Ça ne peut pas être ainsi. Now let us go and inquire from the Lord again. Va encore consulter le Seigneur une fois de plus. And the second time he went, et la deuxième fois il est parti. And inquire of the Lord. Et il a consulté le Seigneur. And the Lord told him. Et le Seigneur lui a dit. Now. Maintenant. Go and tell Balak. Va et dis à Balak. I am not a man. Je ne suis pas un homme. That should lie. Pour mentir. I don't change my mind. Je ne change pas ma pensée. Listen. Écoute. Not paying your tithe. Ne pas payer ta dîme. Not giving offering. Ne pas donner le pain. Sacrifice. Ne pas donner les sacrifices. It doesn't change God. Ça ne change but pas. When you do it, mais si tu le fais, lorsque tu le fais, ça change ta vie. It changes your life. Ça change ta vie. When you live in obedience, quand tu vis dans l'obéissance, you practice the word. Tu pratiques la parole. Change your life. Ça change but ta vie. Change God. Mais ça ne change pas Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? But you live as God desires. Tu vis comme Dieu désire. You change your own life. Tu changes ta propre vie. It doesn't change God. Tu ne changes pas. But you live in obedience. Quand tu vis en obéissance. You follow the will of God. Tu suis la volonté de Dieu. You change your own life. Tu changes ta propre vie. Not God. Ce n'est pas la vie. It's only that the devil has blinded you. C'est seulement que le diable t'a aveuglé. And you think you are doing something for God. Et tu penses que tu fais ces choses là pour Dieu. What can you do for God? Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Nothing. Rien. Amen. Amen.
So God does not lie. Alors Dieu ne ment pas. He can't change his mind. Il ne peut pas changer sa pensée. I can see how Balak was shocked in his spirit. Balak était choqué dans son esprit. He said, "But I have paid you. Il a dit, mais je t'ai payé. I've hired you. Je t'ai loué. So that you should come and curse these people. Pour que tu puisses venir maudire ce peuple. Instead of cursing them, mais au lieu de les maudire, you are blessing them. Quand tu les bénis. Now, maintenant. I return in this world. Je suis retourné dans cette parole. When a prophet releases blessing upon your life. Quand un prophète relâche une bénédiction dans ta vie. Look at how Balak was disturbed. Regarde comment Balaam a été dérangé. Not because. Pas parce que. Balaam did something. Pas parce que Balaam a fait quelque chose d'extraordinaire. For the children of Israel. Pour les enfants d'Israël. But he said they are blessed. Mais il a dit qu'ils sont bénis. They are blessed. Ils sont bénis. Did you know that the fact est-ce que tu sais que le fait that you greet a man, que tu salues un homme, a servant of God, un serviteur, a true servant of God, un véritable serviteur, and he said, "My daughter, et dit, ma fille, you are blessed. Tu es béni. Just releasing blessing. Relâche seulement la bénédiction. Upon your life. La bénédiction. It's more than prayer. C'est plus que la prière. I can pray for you. Je peux prier pour toi. Pray for that blessing. Je peux prier pour toi sans te bénir. It's true. C'est vrai. I can live with you without blessing. Je peux vivre avec toi sans te bénir. Je peux rester avec toi. Je peux te donner de l'argent. I can supply je your peux needs subvenir à tes besoins. Mais je sans te bénir. Amen. Et ça va est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Now, we realize that. Maintenant, nous nous rendons compte que. Let us see, just read down this, so that I will just rush. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le revoquerai point. Listen, very well. Écoute attentivement. Because I have received a command to bless. He has blessed. I cannot reverse it. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le revoquerai point. God has blessed. Dieu a béni. He cannot reverse the blessing. Il ne peut pas renverser la bénédiction. So he was hired to curse. Alors il a été loué pour me dire. But after giving the sacrifice, mais après avoir donné le sacrifice, raising the altar, après avoir élevé le temple, enter in the spiritual realm, après être entré dans le règne spirituel, Balaam entre dans le règne spirituel. When he saw upon the life of Israel, ce qu'il a vu sur la vie des Israélites, was blessing. C'était la bénédiction. And the blessing of God. Et la bénédiction de Dieu. A blessing that he couldn't reverse. Une bénédiction qu'il ne pouvait renverser. So the only thing. Alors la seule chose. Qu'il pouvait dire. Balaam. Balak, was that God has already blessed him? Que Dieu les a déjà bénis. I can't reverse it. Je ne peux pas renverser cela. That's why I used to tell people. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens. When you are not a tighter, quand tu n'es pas un payeur, the Bible says there's a curse upon your life. Il y a une malédiction sur ta vie. Your job is in trouble. Ton travail est dans le pétard. Your children are sick everywhere. Tes enfants sont malades chaque jour. There's trouble everywhere around you. Partout autour de toi. And you want pastor to do what? Est-ce que vous êtes le pasteur fasse quoi? When the Bible says there is a curse in your life, une malédiction déjà sur ta vie. There is no way a pastor can reverse it. Il y avait déjà une bénédiction upon the children of Israel. Sur les enfants d'Israël. So standing on his altar, sous sa part d'autel, to curse them, pour les maudits, he realized, il t'a rendu compte that even if he curse, que même s'il est maudit, he curse will not stand. Sa malédiction ne se tiendra pas. So the only thing he alors la seule chose qu'il pouvait faire, it was to inform the king. C'était d'informer le roi. He said, "Oh king, dis, oh roi, his royal highness, sa majesté royale, I'm very sorry. Je